Alors ma technique en fait c'est de faire des couettes et de couper en dessous de l'élastique. Ok, maintenant on les descend parce que là c'est beaucoup trop court. Ah, j'ai fait trop devant. Bon, faut que je refasse. Bon, on va faire ça. Il faut que ce soit plutôt les deux à la même hauteur si possible. Aïe, j'ai mal au doigt. C'est moche. Bon, en vrai, c'est un peu long. Je fais n'importe quoi. Hein. Je cours vraiment au hasard. C'est la catastrophe. En plus, je sais que je fais n'importe quoi et je continue. Genre, normal. Allez! Ok, les deux côtés sont à peu près de la même taille, donc. Ok, là j'ai fait n'importe quoi. Là j'ai vraiment, c'était le coup de ciseau de trop. Bah, il faut que je recoupe de l'autre côté. Papa! J'arrive. Les coiffeurs, ils prennent toujours un peu. Tu essayes d'aller aussi vite qu'un coiffeur. Non, 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 non. Ça se verra à peine, je vais rattraper, t'inquiète. Ah, ouais. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Oh, t'as fait des méchants trucs bizarres, là. Arrête. Et là, c'est dangereux parce que j'ai peur de t'égorger. Ah. Ok. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ah, on va aller au tard là parce que là c'est pas très confortable. Voilà. Hello. Bienvenue dans un nouveau vlog. Mais en fait le vlog a déjà commencé puisque vous m'avez vu me couper les cheveux. Mais bienvenue dans un nouveau vlog quand même parce que je ne vous l'ai pas dit. Si je vous l'ai dit par écrit. Bref. Passons. Dans ce vlog, nous allons aller main event de ce vlog. La headline de ce vlog, c'est le concert de Ozung. Mercredi. Pour l'instant on est lundi. Mais je veux essayer ma tenue de concert. Oui, lundi, je pourrais le faire demain. Mais j'ai envie de le faire tout de suite. J'ai des envois postaux à faire de Vinted. Donc, une photocard et un porte-clés, il me semble. Donc je vais faire ça d'abord, en priorité. Et ensuite... Ah oui, je voudrais faire ma coque de téléphone. Enfin, je veux dire... Parce qu'en fait, j'ai... Mon téléphone, il est où? Là. J'ai une coque noire sur mon téléphone. Je voudrais une coque transparente. Et j'ai une coque transparente. Du coup, je vais la remplacer et mettre une photocard dedans. Et peut-être mettre des petits stickers dessus. On verra. Après ça, il y a moyen que j'aille prendre un petit bubble tea. Voilà. Ah, arrêtez-moi avec le bubble tea. Bon, déjà, il faut que je range mes affaires qui sont dans ma valise. Parce que c'est bizarre. Je vais laisser mes trucs de tenue de concert sortis. Comme ça, j'essaierai tout à l'heure. Voilà. Ah mais oui, je vous ai pas dit, mais j'ai trouvé des strass. Alors c'est pas du tout des strass genre de maquillage ou quoi, c'est littéralement des strass adhésifs, genre des stickers pour la papeterie. Mais ça fera l'affaire. J'espère que je vais pas me taper une grosse allergie genre. Mais non. Des petites enveloppes parce que j'en ai plus assez. BTS, the best. En fait j'ai pris plein de t-shirts, ça va jamais rentrer dans mon armoire. Armoire, ça s'appelle pas une armoire, ça s'appelle une commode. Ciseaux pour coupe-coupe la frange. Alors je sais pas ce qui m'est passé par la tête de prendre un legging de sport. Genre je vais faire du sport. Un lisseur, mon dieu. Alors je sais pas me servir d'un lisseur, mais il faut bien que je réussisse à dompter mes cheveux un jour ou l'autre. La jupe que je vais mettre au concert, je pense. Ma coque de téléphone et ma teinture bleue. Si jamais j'ai envie de me teinturer en bleu. Je suis pas sûre, mais... J'ai envie. Je sais pas. Peut-être juste une mèche de la frange. Oh, j'ai un nouveau livre. Attendez, je vais vous montrer, bien sûr. Il s'agit de Violet de Kyung Sok-shin. Je me rappelle plus de quoi ça parle. Donc appréciez juste son esthétique magnifique.
parce que du coup j'ai pas envie de me respoiler le résumé. Désolée. Ah bah attends, je vais vous le mettre. Tadam. Voilà. Alors, quelle photocard allons-nous choisir? Celle-là, je l'aime beaucoup beaucoup. Mais je crois que j'en ai que je préfère là-dedans. Alors, oh mais elles sont toutes trop belles, comment je vais faire? Ah, il y a celle de mixtape que je vous avais dit que vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Donc soit celle de mixtape, soit celle de Noisy, celle-là. Je sais pas, mais celle de mixtape, j'ai trop trop peur de qu'il lui arrive malheur. Parce que vraiment c'est ma préférée de toutes mes photocards. Non, je pense que je vais prendre celle de Noisy. Juste que je la mette dans un petit protège. Alors oui, parce qu'en plus il faut que je fasse attention, parce que mon bouton là, le bouton de déverrouiller, il s'en va, hop là. Donc il faut que je fasse très attention quand j'enlève et que je remets mon truc de téléphone. Donc ça rend l'opération très délicate. Je vais juste enlever ce stickers là, petit coup de nettoyage. Alors, et voilà! Pourquoi on dirait qu'il est bleu maintenant? Par contre, niveau de transparence, je lui donne 3 sur 10. Parce qu'elle est un peu pas transparente. Ok, donc on va dire goodbye for now à cette petite coque. Guys, je crois que l'envie de bubble tea est plus forte que tout et je vais devoir aller chercher un bubble tea. Ah, regardez pas mes boutons! Bon, c'est parti pour Pâques, les commandes maintenant. Oula, mais c'est pas du tout bien cadré là, qu'est-ce qui se passe?
Ok, donc voilà la base de la tenue. Cette chemise avec ce petit truc cycliste, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ensuite nous avons the skirt. En fait je sais pas si je rentre ma chemise dans ma jupe ou pas. On va essayer avec... Ah. Ok, alors voilà. Ensuite on a le petit harnais. Oui, ça s'appelle comme ça. Alors voilà. Ok, j'ai le sens. Ah. Ça va pas. Ça va ou ça va pas? Attendez, je vais regarder dans le miroir. Je sais pas, c'est bizarre. Je pense que faudrait sortir la chemise. Oh la galère. C'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Est-ce que si je drop la jupe et que je mets juste le cycliste en dessous, c'est pas un peu trop peu de trucs? Ah, je me sens nue. I don't know. Ou alors je change de t-shirt de haut. Je sais pas, parce qu'en fait c'est stylé comme ça. Genre c'est cool, non? Je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas ensemble. Non, le haut ça va, mais c'est le bas qui va pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre en bas? J'ai rien d'autre, c'est ça le problème, j'avais tout misé sur ça. J'ai vraiment rien d'autre en bas. Hein. C'est la cata, hein. Je sais pas comment on va faire. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et si je rentre un côté dans la jupe et l'autre côté non? Ou alors juste si je l'ouvre comme ça? Ah, c'est... Eh, je tiens un truc, non? Oh, en vrai, il y a un truc, non? Avec les petites chaussettes oranges, là. Ou pas? Avec les lunettes, par contre. Ça le fait ou pas? Je sais pas, je suis pas sûre, mais en vrai... Oh ouais, j'aime bien. Oh, ouais, c'est cool, en vrai. C'est grave cool. Ok, il faut que j'envoie à Ellie. Ok, alors maintenant, on va faire des essais de maquillage. J'ai un eyeliner blanc. Et je voudrais tenter des trucs avec. Je sais pas quoi, mais... Il n'y a aucune luminosité ici, c'est hyper orageux, du coup je vois rien dans mon appart. Du coup c'est parfait pour se maquiller, c'est vraiment le... c'est parfait. Mais bon, après il y a quelque chose qui s'appelle la lumière que je peux allumer. Waouh. Et essayons, tentons des trucs. Allez c'est parti. Il est tout neuf, hein. Genre je m'en suis jamais servi. Je sais pas ce que j'essaye de faire là, mais tout le monde sait que je sais pas me maquiller. Waouh. Il est super pigmenté. Non mais genre je fais une revue de make-up quoi. Ok. Oh je suis insupportable par contre, ce rire insupportable. Alors c'est très moche mais j'aimerais bien faire un truc genre comme ça. Mais vraiment, mais en pas moche si possible. Ah mon strass. Mon strass. Comment ils font les gens là? Comme ça. Comme ça. Faut le faire un peu plus bas je crois. Bah en fait le problème c'est que je tremble énormément. Du coup bah c'est pas droit. Et en plus ça fait des gros pâtés. Oh, gros pâtés. Bon voilà, c'est moche, je n'y arrive pas. Mais l'idée c'est de faire un truc comme ça. Oh là là, c'est trop moche. Je pense que je vais pas y arriver, donc on va annuler cette idée. J'ai acheté. Alors, j'étais pas censée en acheter une. J'étais censée être relaxée, être tranquille, ne pas stresser pour ça. Je suis trop stressée pour la batterie de mon téléphone, donc j'ai acheté une batterie externe. Ah, je me fatigue,
16 euros, purée. Ça va, en vrai c'est pas si cher donc, mais j'espère qu'elle sera bien quand même, même si c'est pas si cher. Enfin c'est quand même cher. Je sais pas si c'est cher pour une batterie externe. Bref, je l'ai eu chez Emma, parce que je savais pas du tout où en trouver et je savais qu'il y en avait chez Emma. D'ailleurs il y en a qui sont trop mignonnes, genre qui ont une forme trop mimi, mais c'était trop gros, du coup, enfin c'était pas pratique et tout. J'ai trouvé aussi en échange le photocard à faire, une photocard de Changbin que je cherche depuis super longtemps. Bah j'ai trouvé une photocard à échanger contre celle-ci, donc je vais faire un échange. Bon pour l'instant la fille me répond pas donc j'ai un peu peur, mais elle a dit qu'elle était ok pour faire l'échange, donc c'est juste qu'elle est occupée. Oh, on peut brancher deux chargeurs en même temps, c'est cool ça. Elle est belle, en vrai elle est belle. Oh, je peux couler des... je vais coller des stickers dessus. Bon, on va la faire charger. Ah oui, j'ai aussi acheté des petits boules caisses, parce que Your Girl is hyper acousique. Je sais pas si j'en aurais besoin, mais au cas où, j'en ai... En plus, ils ont dans une petite boîte trop mimi, sur laquelle je vais coller un sticker aussi, bien sûr. Ah, dès qu'il y a de l'espace pour coller un sticker, vous savez très bien que je vais en coller un. Genre, vous saviez que quand on met un boule caisse, on est censé tirer l'oreille vers le haut? Bah c'est marqué dans le mode d'emploi donc intéressant. J'arrive pas à croire que j'ai lu le mode d'emploi pour des boules caisses et que j'ai actually appris quelque chose. Alors maintenant, quelle heure il est? Il est 18h. C'est l'heure parfaite pour commencer à préparer mes affaires. C'est une heure décente, c'est pas une heure de psychopathe qui panique et qui a une anxiété d'anticipation beaucoup trop élevée. Alors du coup en fait, j'ai décidé de me colorier une mèche de ma frange en rose. Par contre j'ai pas de gants. Plot twist, en fait j'avais des gants depuis le début. Alors alors qu'est-ce que je fais? Ah, je suis perdue. 30 minutes. J'en fais quoi de ce longtemps? Bon, sélectionner une mèche de la frange. Prendre ça, hein. Oula non. Ça. Ça. Ça, c'est bien. Mais comment je vais faire pour pas que ça... que ça aille sur le reste? J'aurais dû mettre des gants après en fait. Oh mais je veux pas mettre de la coloration sur ça aussi. Oh, je sais pas comment faire. Ah, des barrettes, j'ai pas des barrettes. J'ai une barrette et un élastique. On va s'en sortir avec ça. On va s'en sortir avec ça. Voilà. Oh non, j'ai plus de batterie. Bon bah voilà, vous vous arrêterez sur ça et puis on se retrouve après. Alors, nous voilà. Voilà. Why not? Donc c'est l'heure de préparer les affaires. Déjà, sac à dos pour mettre les affaires. Pour faire dodo et tout. On va commencer par ça. Faut pas que je me charge de trop. Mais il faut pas que j'oublie les trucs. Pour dormir, mon pyjama, un petit short. Comme ça c'est super léger. Lentilles, produits à lentilles. Hop. Brosse à dents, je la mettrai demain. Bon, maintenant la question c'est, est-ce que je prends du change? Ok, jeudi il fait très chaud aussi. Je vais prendre mon t-shirt que j'avais aujourd'hui. Il prend pas beaucoup de place. Il sera parfait pour l'occasion. Ensuite, est-ce que je pack une veste? Franchement, est-ce que je vais avoir besoin d'une veste? Il fait 30 degrés, il va faire 30 degrés. Bon du coup je vais pas prendre mon appareil photo parce que je crois pas, enfin je pense pas qu'on va avoir le droit de les prendre dans la salle. Donc je filmerai tout sur mon téléphone. Bon, on va le mettre de côté, pour l'instant je pense que c'est tout ce que j'ai à prendre. Maintenant, mon sac de concert. Les billets, les places de concert, la bouteille d'eau. Alors ensuite, le petit gel désinfectant pour les mains. Carte bleue avec pièce d'identité. Et portefeuille, bien sûr. Ah, faut que je prenne les 2 euros pour le vestiaire. Masque de rechange. Il y aura ma batterie externe, mais elle est en train de charger. Mes écouteurs, là-dedans. Mon chargeur de téléphone. Faut pas que j'oublie. Les lunettes. Du coup, je vais me maquiller le matin. Donc, je vais pas avoir besoin de mon maquillage. Est-ce que je prends des strass quand même au cas où les miens ils tombent? Vu le poids que ça pèse, ça ne coûte rien d'en prendre. Hé, mais normalement j'ai un piercing pour le nez. Normalement j'ai un faux piercing pour le nez, mais
Je sais pas où je l'ai mis. J'ai absolument aucune idée de où est-ce qu'il pourrait être. En plus, c'est minuscule ces trucs-là. Je l'avais mis dans ma valise, dans un petit sachet. Et je crois pas l'en avoir sorti. Du coup, il est plus dans ma valise. Du coup, il a dû sauter quelque part. Ah, je voulais trop le mettre. J'allais oublier les boules caisses. Le piercing, où est-ce qu'il pourrait être? Ah, en fait, il était dans la valise. Bah, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Oh my god. Nous sommes mercredi matin. Le grand jour est arrivé. Je viens juste de me réveiller. Alors apparemment à la salle, il y a des gens qui sont venus à minuit, 2h du matin, tout ça. Ils ont fait une pré-numérotation. Genre ils ont ruiné toute l'organisation de la fanbase. Voilà. Mais bon. De toute façon, moi j'arrivais à genre 16h, donc j'aurais une place dans le fond. Donc bon, ça ne change pas grand chose. Enfin si, ça me change que je serai encore plus dans le fond. Mais genre ce matin il y avait une grosse queue pour avoir les numéros et tout. Genre à 4h il y avait des gens qui parlaient sur le Discord qui disaient genre oui j'arrive à la salle dans 5 minutes et tout. Genre il est 4h du matin. Ah, du coup je vais me préparer et je me dépêche parce que je veux pas être en retard. Ok, ah. Oh my god. Étape du maquillage là c'est... Allez Chloé, tu peux le faire. Qu'est-ce que je fais? Ah, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. On va faire les sourcils. Déjà les sourcils, je sais que je les fais. Je sais vraiment pas quoi faire. C'est là. Ah mon dieu, je panique. Un peu de rouge. J'ai fait une erreur. Ça me va pas du tout. Ça va pas du tout. Ok, le liner blanc maintenant. Ok, alors maintenant, le truc avec des paillettes, c'est pas beau. C'est pas beau. Oh my god. Bon, en vrai, c'est pas très beau. Oh, ça me saoule. Bon, bah tant pis, on va rester comme ça. Hein. Oh non, mais c'est pas beau. Oh well. On va voir peut-être que le mascara, ça va tout changer et que ça va être incroyable. Bon, ça n'a pas tout changé et c'est pas incroyable. Ok, du blush. J'aime trop le blush, c'est trop cool. Et sur le nez aussi, il faut pas oublier le nez parce que c'est trop cute. Maintenant, le moment que vous attendez tous, les strass. Vraiment dans le bus les gens ils vont me regarder bizarre. Vraiment. Purée de purée. Et en plus j'aurai ma tenue là avec mon harnais. Mais les gens ils vont me regarder archi bizarre. Petit rouge à lèvres. Bon et du coup avec moi je vais prendre le rouge à lèvres et le blush. Et j'ai pas de miroir de poche. Ça c'est chiant. Donc voilà. Thank you.
Oh, guys, my name is Wilson. Je suis rentrée chez moi. Alors vous avez vu, dans ma boîte aux lettres, vraiment il y avait une enveloppe qui contenait une photocard qui était complètement trempée. J'ai eu si peur. Mais du coup je l'ai ouverte. Désolée, je vous ai pas attendu parce que j'étais complètement paniquée. Elle semble intacte. Elle est intacte. It's ok. Tout va bien. Ah, il y avait des petits extras avec du coup. Oh, des petits stickers. Ah, il est trop bien ces stickers. Oh my god. Ah, c'est trop cool. Ok, alors ensuite j'ai celle-là. Celle-là c'est pareil, elle était mouillée. Mais je crois que rien ne s'est passé. Enfin, qu'il n'y a pas eu de dégâts dessus. Enfin, j'espère. Ah, et des petits stickers aussi. Ah, la peau de cœur. Elle est vraiment très bien protégée, c'est trop cool. Deux ID cards. Celle-là vient de Ordinary et celle-là vient de Noisy. Mais c'est deux ID cards. Celle-là, j'ai échangé celle de IN contre. Et celle-là, je crois que je l'ai juste achetée. Et ensuite, j'ai cette lettre-ci. Je crois que c'est une lettre d'une abonnée. Oui, c'est une lettre d'une abonnée. Ah
Et je pense qu'elle m'envoie des petites photocards. Mais attendez, ce sticker, il est adorable. Et en fait, c'est des photocards que Cultura offrait à l'achat de Noisy, je pense. Ah, c'est trop belle. Du coup, c'est pas un format photocard, c'est un plus grand format. Et j'essaye de... Ah, je me casse le poignet. Mais regardez-le. Il est trop chou. Merci beaucoup, beaucoup, Léa. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Je vais garder ce petit mot et le mettre dans mon journal. Oh. Et ensuite... Désolée, je vous parle pas du tout de ce qui s'est passé à Paris parce que... j'ai des trucs à ouvrir et du coup, je vais trop les ouvrir. Je suis allée à Musica. Et j'ai acheté I Am Who. Alors... Oh, oh my god. Ok, ok, je les ai pas vus, j'ai pas vu les photocards, ok. Oh my god. J'ai juste vu celle-là, et c'est celle de Jungbin. C'est les photocards qu'ils ont dessinées. Et genre c'est celle de Jungbin. Il y a ma voisine qui est en train d'accrocher son linge, et elle va me voir parler à une caméra. But it's okay. J'ai le poster de Felix. Je vais regarder un peu le photobook. Oh, oh, ils sont tout petits. Oh my god, Ayen. Il est vraiment, vraiment tout petit. Ils sont trop mignons. Maintenant les photocards. On est prêts. Cute, archi cute. Encore Ayen. Les deux c'est Ayen. Elle est trop mignonne celle-là. Oh non. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un défaut dessus. Ouh. Parce que j'ai un album. Je sais plus c'était quel album que j'ai. J'avais une photocard où il y a une grosse griffure en plein milieu. Enfin, une genre de coupure, griffure en plein milieu. Enfin, alors qu'elle était neuve. Donc c'est un peu chiant quand ça arrive. Bref. J'ai eu la photocard de Charmin. Ok, ça c'est trop cool. Et Ayen du coup. Ok. Ah. Je suis trop contente. Et le CD, on va le ranger à sa place. Et voilà. Et j'ai plus de place sur mon étagère à album. J'ai plus du tout de place. J'en ai déjà 3 qui sont là. Je sais pas comment je vais faire. Enfin du coup je vais le mettre là-dessus mais... C'est moche. C'est hyper moche. Ça me saoule. Je veux avoir une belle collection genre bien... bien displayed et tout, mais du coup, bah non, ça marche pas. Genre, elle est pas très bien là. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, à Paris, je suis aussi allée à Miniso et j'ai acheté des genres de marque-pages autocollants. Enfin, je crois que c'est ça. À vrai dire, je suis pas à 100% sûre, mais je suis à genre 95% sûre. C'est bon, c'est bien ça. Je suis allée dans une épicerie asiatique parce que why not. J'ai acheté des mochi. Mais j'ai déjà mangé un dans le train parce que j'avais faim. Je les ai rangés dans ma cuisine et j'ai la flemme de me relever. J'ai acheté des chapaghetti parce que j'ai la flemme d'aller faire les courses. J'ai plus rien à manger dans mon frigo. J'ai la flemme d'aller faire les courses. Du coup, je vais manger ce soir. Et enfin, j'ai acheté un troisième truc. Ah oui, parce qu'en fait, alors, il fallait 5 euros minimum pour pouvoir payer avec une carte. Et j'avais pas d'espèces, du coup j'ai dû choisir un autre truc, parce que je savais pas quoi prendre. Et j'ai pris des perles de tapioca à préparer soi-même, pour faire des bubble tea maison. Sauf que j'aime pas le thé, je sais pas faire des bubble tea maison parce que j'aime pas le thé. Je sais pas ce qu'ils font, genre c'est magique ce qu'ils font parce qu'ils me font aimer le thé alors que j'aime pas le thé. Enfin, genre ça a pas le goût de thé quand je vais prendre un bubble tea. Mais du coup je sais pas comment le faire à la maison pour pas que ça ait le goût de thé. Du coup bah je sais pas ce que je vais faire. Je vais tester des trucs. Et c'est tout. Alors, oh my god, le concert de Ouzoum. Il me manque trop, je suis trop triste. Je vais y retourner. J'ai pas pu prendre de vidéo parce que la qualité était atroce sur mon téléphone. Vraiment c'est dégueu. J'en ai pris genre 3 donc je vais vous les mettre. Mais je pense que je vous ai mis les vidéos de Lise parce que il prend des meilleures vidéos que moi son téléphone. Des bien meilleures vidéos. Donc
Merci Alice de me prêter ces footage pour que je puisse les mettre dans mon vlog. Pff, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. C'était dingue. La salle, elle était toute petite. Du coup, on voyait vraiment très très bien. Genre, on était vraiment proche de la scène alors qu'on était genre dans le milieu de la fosse. On voyait vraiment très très bien. C'était une dinguerie. Vraiment, c'était trop bien. Oh my god. Je vais retourner. J'espère pouvoir faire plus de concerts de K-pop bientôt. Déjà là je vais voir Conan Gray dans genre 6 jours je crois. Donc ça c'est trop trop cool. Pardon, j'étais en train de fader sur les photocards de Changbin. Voilà voilà. Je suis crevée. Du coup, le vlog se termine ici parce qu'il est déjà très très long et je me suis dit que du coup on va le réduire juste au concert. J'espère que le vlog vous aura plu. J'ai passé vraiment un très très bon moment à le faire, genre c'était trop trop cool, un de mes vlogs préférés à tourner, c'était vraiment vraiment cool, même à monter c'était cool, donc j'espère qu'il vous aura plu aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, bye!